rebonjour à vous tous. J'espère que nous passerons un moment béni ensemble dans cette communion avec notre Dieu. Et je voudrais vous inviter à commencer ce service en chantant le cantique 176. Le cantique 176, nous t'adorons, Seigneur, dans ton temple. Levons-nous. Prions ensemble. Merci Seigneur de pouvoir nous retrouver ensemble dans cette maison qui est la tienne, dans cette maison où tu nous attends, tu nous accueilles. Aide-nous à répondre à cette attente, à ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos esprits à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Nous te confions tous ceux que nous aimons, tous ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Au nom de Jésus, amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, que ce soit notre expérience ce matin.
Asseyons-nous. Je vous propose de lire deux passages en introduction de notre service. Le premier se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7, le verset 12. 1 Samuel 7, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il dressa entre le Mispa et la Dan, et il l'appela du nom d'Ébénézer, pierre du secours, en disant « Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus ». Et le deuxième passage se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 103. Les versets 1 et 2. De David, que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré, que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Nelson qui nous guidera dans notre réflexion ce matin. C'est une joie et un privilège de pouvoir parler de la parole de Dieu avec vous et de partager une réflexion qui se trouve dans le verset qu'on vient de vous lire, le chapitre 7. Le livre de Samuel, comme vous le voyez, est écrit dans la Bible et dans l'Ancien Testament. On croit qu'il a été écrit par Samuel lui-même, du moins jusqu'au chapitre 25, parce qu'après, dans le chapitre 25, on va parler de la mort de Samuel. On croit qu'il ne peut pas avoir écrit sur sa mort. Et donc, c'est lui qui est en tout cas l'auteur des premiers chapitres de Samuel 1. Nous sommes aujourd'hui dans les cérémonies de fin d'année de commémoration de Noël. Et j'espère que on est tous dans ça et qu'on va célébrer malgré tout. On va se souvenir de ce que Dieu nous a fait. On va implorer sa présence pour qu'il puisse nous aider l'année prochaine. Je pense que c'est un rite ou bien c'est une coutume qui vient chaque année. Mais il y a d'autres choses qui peuvent être, qu'on peut se souvenir. Donc c'est un moment de faire des bilans, c'est un moment de réfléchir et de prendre des décisions et de prendre des principes qui vont nous guider dans l'année prochaine. C'est pour cela que j'ai pensé à ce chapitre. Le premier livre de Samuel a un contexte particulier parce que vous voyez du chapitre 4 au chapitre 7. On nous parle des guerres qui étaient entre les Israélites et les Philistins. Et les Philistins qui étaient un peuple très hostile au peuple d'Israël et qui étaient aussi forts. On dit que les Philistins, c'était des gens très forts en économie, dans les guerres, c'était avancé dans la technologie de ce temps.
Donc, ce chapitre-là nous relate cette guerre-là, ces différentes guerres, et qui se résultaient souvent avec l'échec des Israélites. Dans le chapitre 7, nous voyons beaucoup de choses que nous allons, que je voudrais qu'on partage avec vous. Tournez avec moi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, verset 12, pour le relire parce qu'on a lu. Alors Samuel prit une pierre et la plaça entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a aidés. » Le mot Ebenezer signifie littéralement « pierre de secours » ou « pierre d'aide ». Mais c'est un nom qui est donné dans la coutume israélite, qui est donné à des enfants qui naissent. C'est aussi un lieu qui s'appelle aussi Ebenezer. Mais ici, nous allons nous contenter de ce que signifie littéralement ce mot Ebenezer, pierre de secours. Et si on peut analyser d'autres mots qui se trouvent dans son texte, jusqu'ici, c'est le mot français, c'est un adverbe qui a beaucoup de synonymes, encore, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, n'importe quand, toujours. On a l'impression que Samuel parle d'un point A pour arriver à un autre point B. Du point A jusqu'au point B, jusqu'à l'infini, Dieu a protégé ou Dieu a été au secours des Israélites. Mais qu'est-ce que le peuple d'Israël ne devrait pas oublier? Nous allons le voir dans ces chapitres, dans le chapitre 7, où Samuel, qui fut le juge et le prophète du peuple d'Israël, va rassembler son peuple à Mitzpah pour prier et pour, n'est-ce pas, voir pourquoi il avait tant d'échecs contre les Philistins. On peut s'imaginer que la première raison pourquoi il devait se souvenir de ce lieu, pourquoi il devrait se souvenir. Parce que le Seigneur nous a aidés lorsque le pouvoir était absent. Rappelez-vous que Israël avait un arche d'alliance, l'arche de Dieu, qui signifiait ça, la présence de Dieu en Israël. Ça signifiait aussi le pouvoir du peuple d'Israël. Lorsque l'arche n'était pas avec eux, c'était catastrophique. Le peuple n'était pas content. Et dans les versets qui ont précédé, on voit que le peuple se lamentait. Il ne savait pas pourquoi l'arche était là et qu'il subissait des échecs.
Vous vous souvenez qu'à un certain moment, après la bataille des Israélites et des Philistins, cette arche-là a été emportée par les Philistins, qui étaient païens, qui ne connaissaient rien de Dieu, qui adoraient les idoles. Et voilà l'arche de Dieu qui va là-bas. Mais là, sur cette place-là, à Mitzpah, où ils s'étaient rassemblés, l'Israélite devrait se souvenir que Dieu les a aidés, même lorsque l'arche était absente. Nous le voyons toujours dans le verset 1 et 2 de Samuel 1. Les hommes de Kiriath-Yearim vers et firent monter l'arche de l'Éternel et la transportèrent de la maison de Abinadab sur la colline et le consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Verset 2. Il s'était passé bien de jours depuis le jour où l'arche avait été installée à Kiriath-Yearim. 20 années alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Il fut un moment où l'arche était absente. Elle a été transportée par les Philistins. Et les Philistins qui se sont ennuyés avec l'arche de l'Alliance et qui l'ont fait revenir, mais qui n'a pas été remis directement à Israël, mais qui a été transmis à la famille que nous venons de citer. Et c'était vraiment une question. Mais dans tout cela, Dieu n'a pas oublié son peuple. N'a pas oublié son peuple. Et là, dans ce lieu, à Mitzpah, là où Samuel va ériger le symbole, cette pierre-là, l'Ébénézer, on devrait se souvenir que Dieu, même quand l'arche n'était pas là, il les a protégés, il les a secourus. La deuxième chose qui pouvait se souvenir, c'est le Seigneur nous a aidés quand la pureté a été appliquée. Par pureté, c'est des prières qui donnaient à Dieu. Visons le chapitre 1, puis chapitre 7 de 1 Samuel, le verset 3. Et Samuel parla à toute la maison d'Israël en disant, « Si vous retournez à l'Éternel de tout votre cœur, éloignez du milieu de vous des dieux étrangers et à Ashtaroth, et préparez vos cœurs à l'Éternel et ne servez que lui, il vous délivrera de la main des Philistins. » Dans ce lieu, à Mitzpah, ils ont prié. Et ils ont demandé à Samuel de prier pour eux. Et Samuel leur dit, si vous ôtez vos idoles, si vous décidez à prier le seul Dieu qui est le Dieu créateur, alors vous gagnerez sur les Philistins. Et c'est ce qui s'est passé, comme on va le voir. Le terme que vous voyez là-bas qui
Il y a un terme qui est là, préparer, un verbe préparer. Préparer, c'est être dressé, c'est-à-dire s'obtenir perpendiculairement, faire des provisions, être stable, se tenir debout. Donc Samuel disait, si vous vous êtes prêt, si vous vous êtes préparé à rencontrer Dieu de tous vos cœurs et laisser les idoles, parce qu'à un certain moment, ils ont égaré, ils ont même adoré les dieux des Philistins et des environs, et cela expliquait leur échec. Alors Samuel leur disait, si vous vous retournez, si vous voulez retourner, si vous voulez donner votre cœur à Dieu, alors vous, je vous aiderai à gagner sur les Philistins. Donc ce lieu-là, cette pierre-là, Ebenezer, devrait leur faire souvenir que quand ils ont prié, ils ont été entendus. Remarquez comment son peuple, comment la reconnaissance du pénitent expérimenta le regret de se repentir du peuple. Au verset 6 de ce même chapitre, ils se rassemblèrent à Mitzpa, puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et dirent là, nous avons péché contre l'Éternel. Et Samuel jugea les enfants d'Israël. Le mot que j'ai souligné là-bas, c'est que à cet endroit-là, à Mitzpa, les gens ont jeûné. Ils ont accepté leur péché. Ils ont accepté qu'ils ont adoré les idoles, les faux dieux. Et le mot péché a le sens de manquer le but, d'être en faute, de causer un tort, d'être un coupable. Cette pierre-là, l'Ébénézer, servait de mémoire que Dieu les a écoutés et que ils avaient accepté leur péché. La troisième chose qu'ils pouvaient se souvenir en voyant cette pierre-là, la pierre qu'on appelait Ebenezer, c'est que le Seigneur nous a aidés quand les gens avaient peur. Les Philistins étaient des personnes très fortes, comme je l'ai dit. Ils savaient se battre, ils étaient avancés. Et le peuple d'Israël avait peur. C'est ce que nous lisons au verset 8. Et les enfants d'Israël dirent à Samuel, ne cesse de crier à l'Éternel, notre Dieu, pour nous, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Ils ont demandé à Samuel de crier pour eux. Crier, c'est demander avec une grande insistance. C'est parler avec des cris redoublés. Ce jour-là, cette pierre que Dieu, que Samuel va ériger, leur va se servir de mémoire que quand ils ont crié, Dieu les a entendus. Une quatrième chose qu'ils devraient se souvenir en voyant la pierre, c'est que le Seigneur
les a aidés ou nous a aidés quand les prières étaient exaucées. C'est ce qu'on lit dans le chapitre 1 de Samuel, 1 Samuel, chapitre 7, verset 9. Et Samuel prit un agneau de lait et l'offrit en holocauste, en serment à l'Éternel. Et Samuel cria à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'entendit. Le verbe attendre ici signifie faire attention. Implicitement, cela veut dire que Dieu a répondu à leur prière. En voyant la pierre que Samuel allait ériger, cette pierre qu'on a appelée Ébénézer, les enfants d'Israël devraient se rappeler que leurs prières ont été exaucées. C'est très très important de se souvenir de cela. Enfin, cette pierre-là devrait leur rappeler que lorsque les Philistins ont attaqué, Dieu les a aidés. Parce que si vous lisez tout le chapitre et les chapitres précédents, quand ils ont fini de se donner à Dieu, quand ils se sont repentis, quand ils étaient à cette place de Mitzpah, ils ont crié, ils ont prié, et les Philistins ont entendu les cris des gens. Ils ont cru que les Israélites essayaient de se rassembler pour les attaquer. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins se sont préparés à attaquer, parce qu'ils croyaient que les Israélites allaient les surprendre. Et il s'est passé un miracle. Les Philistins ont entendu les cris. Ils ont cru qu'ils avaient beaucoup d'armes, que c'était beaucoup de gens. Ils ont fui. Et Dieu a fait qu'ils soient dispersés alors qu'ils étaient en force de gagner la guerre. Et ce jour-là, c'est Israël qui va gagner la bataille. C'est ce qu'on dit là, on lit au verset 10. Et comme Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour livrer la bataille contre Israël. Et ils furent frappés devant Israël. Dieu a fait que les Israélites soient des vainqueurs ce jour-là. Ils devraient donc se souvenir de cela, que Dieu les a aidés quand les Philistins attaquaient. Il y avait un amas d'implications voire à cette histoire. Au verset 11, on nous dit que les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah et poursuivirent les Philistins. Ils les battirent jusqu'à ce qu'ils arrivèrent sous Betkar. Non seulement ils vont gagner la guerre, mais ils vont poursuivre les Philistins. Le mot poursuivre ici, c'est courir après, généralement avec une intention hostile. C'est mettre en fuite. C'est les suivre jusqu'à leur destination. Donc ce jour-là, le peuple d'Israël a suivi les Philistins. Et les Philistins ont perdu beaucoup de gens dans cette guerre-là. Tout cela veut vous dire que la pierre que nous allons lire
Nous avons lu au verset 12, Ebenezer devrait leur rappeler toutes ces choses-là, que Dieu a été pour eux un secours, même quand ils avaient péché, même quand ils avaient adoré de faux dieux. S'il y a des gens qui ont connu la bienveillance de Dieu, c'est David. David est l'auteur de plusieurs psaumes. Il a passé par beaucoup de choses. Il y a eu des hauts et des bas dans sa vie spirituelle. Et c'est pourquoi dans les psaumes, il glorifie Dieu pour l'avoir pardonné parfois, pour l'avoir protégé, pour l'avoir donné de la force. Il y a plusieurs passages de psaumes qui peuvent montrer cela. Mais particulièrement en verset 1 et 2 du psaume 103, il dit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le mot « âme » dans l'Ancien Testament signifie l'homme tout en entier. On considère que l'âme est une personne en entier. Donc, pour lui, toute son âme, tout son corps devrait glorifier Dieu, devrait le rendre gloire. Le mot « bénir » signifie littéralement « faire du bien ». Remercier Dieu, se réjouir profondément de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Dieu a béni David pour beaucoup de raisons. Il a guéri pour des raisons de guérison, pour la rédemption, pour la bonté, la compassion, pour sa générosité dans la vie de tous les jours de David. Et vous vous souvenez de son histoire. Un jour, il avait délivré d'une bataille à de nombreuses reprises contre Saul qui le poursuivait. Vous savez qu'il a remplacé Saul, mais Saul n'avait jamais été content de lui. C'est pourquoi il le poursuivait chaque fois. Et David se souvenait de cela, de cette protection. C'est pour cela qu'il a écrit beaucoup de mots pour remercier Dieu parce qu'il l'a protégé. Cette année 2021 va s'achever, un autre va venir. Quel est mon Ebenezer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux dire pour remercier Dieu? Il y en a beaucoup, et j'espère qu'il y en a beaucoup pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre comme principe? Quelle est la solution que je vais donner au problème que j'ai eu dans l'année passée et que je ne veux pas qu'il revienne l'année prochaine? En tout cas, il faut réfléchir. Si tu regardes à tout ce qui t'attend dans l'année qui vient, tous les défis qui sont devant toi, certainement que tu pourras ne pas remercier le Seigneur pour cette année qui s'achève. Parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être tu as des choses inachevées et tu serais tenté de ne pas remercier Dieu parce que tu n'as pas achevé ceci ou cela.
mais regarde plutôt à son secours. Lui qui a été fidèle jusqu'ici dans ta vie. Regarde tous les défis déjà remportés. Regarde tous les projets déjà réalisés. Regarde toutes les prières déjà exaucées. Regarde tous les combats remportés jusqu'à aujourd'hui. Et alors tu pourras crier de tout ton cœur, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Prends un moment à cette fin d'année, dans le lieu secret ou à l'église, et remercie le Seigneur. Laisse monter de ton cœur son parfum de bonne odeur qui est sa louange pour ses bienfaits. 2021 a été une année très dure pour toi. Dis merci au Seigneur parce que tu es toujours là et que tu as vaincu l'ennemi visant à t'arrêter. Est-ce que 2021 a été plutôt une année magnifique pour toi? Tu n'as pas d'excuse devant le Seigneur si tu fermes ton cœur devant lui et que tu ne lui dis pas merci. Et ce matin, c'est ma prière que nous puissions remercier Dieu de tous les bienfaits qu'il nous a fait au cours de l'année passée, et que nous lui demandons de nous donner le courage et nous donner les principes qui vont nous bénir, qui vont nous aider à surmonter et à vraiment être avec lui au cours de l'année 2022. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci Nelson. Nous allons nous lever pour chanter en terminant le cantique 307, le cri de mon âme. Le cantique 307. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu nous as fait l'année passée. Merci pour l'année qui va venir. Et merci pour tout ce que tu vas nous donner. Seigneur, nous donner la force de nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Et que, Seigneur, nous puissions glorifier ton nom dans toute notre vie, de toute ton âme. Bénis tout le monde.
au nom de Jésus. Amen. Disons pour clôturer le verset qui se trouve en Galates, au chapitre 1, versets 3 à 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur de Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin que nous afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.